cartes. Enfin bon, ça chasseuse de cartes normalement, mais bon, c'est l'ami des cartes ici. Ouais, c'est la même merde. Elle a écouté Yu-Gi-Oh! C'est. Bah Tu Benjamin, crois en l'âme des tu vois, cartes? si t'es bon et si t'es vraiment fan, il y aura un truc que Oh, tu risqueras de l'opening, regretter si il est ton pas dessin. mal sur GB en plus. Oh, ah, c'est Athéna, de Saint Seiya. Ah, c'est bien, Benjamin. Non, tu sais pourquoi? Parce que tu l'as dit. Benjamin, non, Ah, je... quel con. Athéna. Athéna. Athéna, suce-moi. Ah, non, pardon. D'ailleurs, c'est un peu ma. Seiya. Oh! Seiya. J'ai fait un peu ma pub, mais l'arrivée du Monday, quand la finir d'uploader, elle sera de continuer après le lag. Donc voilà. Pas de Mon soucis. dieu. C'est Sakura 4 cartons. En tout cas, les graphismes, ils sont pas mal, hein, dans l'opening. Opening, ouais. Je connais quelqu'un qui déteste Sakura 4 Il s'appelle Wen? Non, c'est pas moi. Non, c'est. C'est la personne qui me fait mes mangas animés. Ah, elle aime pas? Non, elle déteste à tout au point Sakura 4 Ah Pourquoi elle bon? aime C'est pas? vraiment ça. Vraiment Je détesté. sais pas, je lui ai jamais trop demandé pourquoi elle aime pas. Et Je sais qu'elle Adèle? déteste la VF, parce qu'elle est Oh dégueulasse. non, elle est pas mal la VF. Moi j'aime bien. Que la Ça me voix de dérange pas. Sakura, elle a une voix ignoble. Bah, c'est une bonne fille, hein. Ouais, non. Sexiste. C'est une voix de fille, mais c'est une voix de fille, de prépubère de 7 ans. Hein. Et devinez, tu as de nouveau des problèmes avec les enchargements. Ah, mais t'inquiète, moi-même, hein, j'ai des problèmes. Hein. Ce soir, je sais pas, il galère un petit peu mon internet. Mon internet. Mon Mine internet. internet. My internet! Internet What the fuck, connexion. Freebox? What are you doing, Freebox? What are you doing, nigga? Oula, ah ouais. Oh mon dieu, et le. Je sais pas comment on s'appelle Putain, mais le avec perso. Kadesh, j'ai appris à dessiner des meufs, quoi. Merci, Hadès. De rien. Ouais, le perso masculin là que t'as Et fait. Wow, c'est promis, magnifique. j'en Oui. fais, j'en fais serment en ce live, j'apprendrai à Fabien à Oula. dessiner des boobs. Oulala. Parce que Non, ouais, les boules sont non, du mal. non. Parce Bah que toi, pour si. l'instant, c'est les rois des. C'est reines des poitrines plates. Ouais. Et raison. Mais comment tu fais? Bah, Mais il... non, elles sont pas des poitrines plates qu'elles ont. Ah, si. Ah, si. Ah, Je dis ça pour rire, hein, Fabien, tu sais bien. Ah, si. Moi, non. Elle est bien, enfin, j'ai essayé de faire un. Ça va? Ah, dis-moi Ah s'il y a un bon? truc à changer, comme ça va, je change. Que ça Tu fait un lui mets bikini? juste pas de vêtements, non, J'ai mis des vêtements trop tard. Merde, Et merde. ça fait une piste. Fabien, tout est à le faire. Donc je le refais alors. Non. Alors, Fab, t'effaces tout. Et tu recommences tout. Tu laisses au minimum la tête, même je m'en bats les couilles des cheveux, tu fais une punk, je m'en bats les couilles maintenant. Tu fais une punk, voilà. Ah, j'avoue qu'il est pas parfait, de toute façon, ça sera le Oh, seul parfait. j'avoue, sa peau aussi elle me dérange, donc tu l'as fait black, je m'en fous. En tout cas, en tant que Fabrien, Ses ça fait cheveux, je bizarre. m'en fous, Ah non, c'est un cyclope, Wen, voilà, tu rigoles pas, toi, t'as c'est une envie de cyclope. rigoler. Je dirais même si elle a trois yeux, c'est une triclope, voilà. Non, Wen, non, sérieusement, il est moche ou pas? Tu Bah t'appelais non, Wen. bah non. Rigole. Pas Arrête, Fouki, arrête. oui, un peu Il lui manque juste un œil, au beurre noir, pardon. Et C'est les gars. juste dégueulasse. Tu lui dis, c'est pas la même, ou c'est l'œil au bon. Pardon. Connard belge. Ah, ta gueule, toi, frité de merde. Ah Oh, non, c'est moi. connard, c'est pas le problème. Bon, là, c'est un bac. Bonjour. J'ai un Je bac. redonne dans 5 minutes, hein, je Ok. vous dis. 5 minutes, hein. Un bac, une prod. 300 secondes. 300, 299, 298, 297, 200... Non. Fabien, tu comptes? Si. Si. Sinon, Nine. je vais te forcer qu'elle soit black. Sinon, tu n'arrives pas demain sur FF7. On dit pas ça, Fabien. Pas FF7. Pas FF7. Kodak, il va falloir que. Est-ce que j'ai pas prévu la salive ok. Non, pas chez les sympas le jeu, vraiment. Bah, moi je vois pas parfois. Ah, voilà, tu vois là. Non, je Très devrais. cool. Normalement, c'est un jeu que je devrais montrer demain. C'est un visual novel. Ah bon? C'est un visual novel ça? Enfin, il y a du gameplay. Ah, bah, c'est pas un visual novel alors. Bah, ta gueule, il y a des visual novels avec du gameplay. Non, c'est des merdes. Ta gueule. Plus le jeu est doublé alors.
Oh, c'est une demi-heure. Oui, il est doublé sur GBA. C'est pas mal. C'est pas mal, mais... Tu te souviens pas, vraiment? Ça me revient, là, par contre, les petits pincements, mais ça revient qui paraît après toi. T'as pas pris un médoc, toi? Non, non, j'en ai pas pris du tout, mais je sais pas, ça m'a bien. Je suis vraiment trop sympa, en plus. Ce qui me rassure, c'est que c'est l'opposé du cœur, ça. C'est déjà, ça me rassure un peu plus, ça. Ouais. C'est des fois j'ai l'impression que le cœur on le sert de temps en temps ou... Bon, je vais avoir un QTE, le mec il va me lancer un bonbon, je vais attraper. Ah bah c'est pas mal ça. Attrape un bonbon. Oula. Attrape un bonbon. Et foucoule. Foucoula. Tu le foucoula. Itachi, c'est quel prénom que t'avais dit dernièrement d'une façon drôle? À la babar, pour ça. Non, hier ou avant-hier, je sais plus. Un Fabien qu'on avait bien rigolé. Je sais plus. Dis vite. Adèle, peut-être l'on dit tellement. C'était pas David. Non, c'était pas. Non, c'était Cédric. Cédric. Oh, Cédric. 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 Bon, Cédric. C'est bien senti, mais il faudrait que t'aies que tu... Et c'était mardi. Bon, Fredrik. Heureusement que Wan n'est pas là, sinon je serais parti dans la forêt en entendant Wan et Adèle. Quand il va arriver, je vais dire Fredrik. Fredrik, pardon. Non, t'étonne pas, Wan, il est juste fou comme ça, de base. Il est fou, Pardon. De quoi? Il est fou, c'est normal. Ouais, Cédric. Bon, Cédric. Allez, c'est tout. Cédric. C'est bon, Cédric, arrête, vous m'appelez Cédric. Oh, c'est non, ouais. Faut arrêter cette connerie. Ah non. D'accord. Pourquoi ils disent ça, pauvre. Bah non, Marc, je suis une chose. Non, en fait, si tu veux, Wayne, mardi, on était en combat avec Itachi. Ah, heureusement. Et Itachi, il a dit d'une façon très drôle. Tu sais. Il a dit d'une... Tu sais, ça doit être normal. Bah oui. Et... Sinon, je sortais pas de connerie. Il a dit d'une façon très drôle, ce truc. Comme ça. Il a dit comme ça. D'accord. On a tous éclaté de rire la façon dont il l'a dit. Et je te jure, c'était vachement drôle. Fédric. Ah non, Marc. Comment il l'a dit? J'en profite qu'il ait le Fabien là pour le dire. Il disait que je devais me décoincer du cul pour certaines blagues. Et je viens de remarquer une chose. C'est que même s'il aime préciser, des fois j'ai du mal à son imitant, à son truc d'élocution, je le prends moins mal maintenant, je le prends plus mal. C'est que c'est pour rire. Oui, je sais, mais le. C'est pas méchant. Oui, bah, justement. Tu vois, elle va m'envoyer un bonbon. Je dois l'attraper. Tu vois, elle le prend même pas mal. J'ai le bonbon. Tu vois, Fabien, tu essaies de me défoncer du cul. Voilà. Parce que sans un bonbon, je mourrais d'étouffement. Ah, ça. Parce que j'aurais mangé la tartine. Tout ce qu'on fait, voilà quoi. Bon, enfin, si on fait, tu m'as toujours pas. Hein? 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 Mon top, hein? Benzo. Miss Adèle. Cédric. Cédric. Non mais attends, Adèle. Quoi? Je t'ai trollé, tu m'as trollé. Mais il y en a un qui ne se fait jamais troller. Wayne, viens par ici. Non, je parlais pas, je pensais pas à Wayne. Parce que Wayne, il est intouchable. J'ai déjà. Non mais Wayne, il est intouchable. Il y a assez de trolls avec Benzo. Wayne, il est un... Comment tu m'appelles, tu Benzo? Wayne ou? Et je te confonds avec Sasuke aussi. Wayne. Oui. Ah, attends, dis que t'as une voix sexy. Non, ça c'est Sasuke. Non, toi... Attends, Drist il dit que t'as une voix du charisme. Bah c'est vrai. Ah ouais. Mais Gwen il a une belle voix. Hein. Gwen, il a une relax. Mais Adèle... Oh non, s'il vous plaît. Attends, relax. Merde. Attends, mais je l'avais bien fait, c'est ça le pire. Attends. Bonsoir et bienvenue en mode relax. Bienvenue en mode relax. Avec Benzo. Présentez-vous, Benzo. Bonsoir, c'est toute cette connerie. Prêtez-moi ces conneries. Ce truc.
Mais le seul qui s'est pas fait troller ici, c'est Fabien. Fabien, sale français, ramène-toi. Ta gueule, ah, c'est Fabou. Non, c'est Fabou, c'est le déjà trop dit. C'est Fabou. C'est quand même qui m'a envoyé les messages, non? Parce que je pensais à un petit gars qui s'appelle Benjamin Rebecca. Après, il y a Fabou, mais il y a aussi Fabou Matin. Oh, Matin. Il a Fabou. Voilà. Non. J'ai dit quelque chose, il l'a même pas remarqué. Fabounette, si Fabou Kekette. Non, tu l'as pas remarqué, c'est pas vrai. Si, je l'ai toujours remarqué. Ah, par contre, je pars trop sur les 5 complexes. Frédéric! Bon, Frédéric! Oui? Frédéric. C'est un jeu de quel type? Un visual novel, mon cher Wayne. Avec 2-3 petits trucs de gameplay. Par exemple, j'aurais pas attrapé le bonbon tout à l'heure, je serais mort. Non, j'ai... Il y a un truc de social ou... Un peu. Ouais. Parce que je sais pas, je parle par rapport à la jauge. Là, j'ai un social link et si j'ai le social ego au maximum, je peux invoquer des personnes, hein, tu vois. Non. Ah, trompe de jeu, pardon. T'es un peu trompé d'univers, surtout. Non, sérieux ouais. Merci, Captain Obvious. Et lancer le Kingdom Hearts sur tablette, j'ai peur. Ah, Uncharted. Unchained. Ouais, c'est pas grave, c'est la même Uncharted X. Ah oui. Bon, Frédéric. Je viens de me rendre compte de ma connerie. C'est en mode Frédéric. Frédéric, tu me fais fier. On dit Unchained. Unchained. Oui. Unchained. Oh. Unchained. Adèle, je peux passer à l'ancrage. Ah, vas-y. Oh, je vais jouer à Kingdom. J'aime Force. Quand tu ancres comme ça les parties de mon corps en noir. Ah, pardon. Oh le connard. Ça doit être les temps. Oh Frédéric. J'aime comme le poulpe au lieu de ses tentacules tisse son encre. Pardon. Désolé pour vos oreilles. Non, rien de tu vas juste prendre un train à la bête parce que la musique était une avance, c'est tout. Laisse la voix détachée qui est en trop, mais bon, moi je Je suis. T'excuses pas, ça va. Des problèmes de droit à cause de la musique de Kingdom Hearts. Oh, des jumelles. Oh, des jumelles de cheveux. Des jumelles de. Quoi? Des jumelles de cheveux. Elles ont toutes la même couleur. Non, il y en a juste une qui a pas les mêmes cheveux. Hein? Oh, Frédéric! Frédéric, c'est quoi de bordel? Frédéric! Ça veut dire vraiment c'est une connerie! C'est trop gras, c'est trop gras. Oh bah, cette outil est vraiment tombé dans le trou, hein. Regarde, c'est le professeur. Il est dans sa merde. Il a peut-être vu quelqu'un. Oh, il y a un jeu PS2 que je voudrais bien racheter, moi. C'est Scarface. Okay. Pourquoi? Pour ça tu veux faire des... Tu veux faire des fêtes? Non, mais The World End... Non, ça attend. C'est The World With You... Enfin non, je sais qu'il y a un jeu DS comme ça, qui s'appelle comme ça, mais... C'est The World With The You, World un truc comme ça. The World End With You. Ouais, c'est ça sur DS, mais je sais que le nom il ressemble sur Scarface. Là. Et il était bien ce jeu, putain, ouais. C'était excellent. Bah, qui a The World End With You, qui sait, il en est fan de ce jeu. Mm-hmm. Et je crois qu'il y a. Ça apparaît, je crois, dans le cache 3DS. Ouais, c'est ça. C'est les persos. C'est ce qu'on parlait hier et qu'on trouvait pas le nom. Bah, en même temps, je pense que c'est le même character design. Oui, je crois, ouais. Tetsuya Nomura. Oui. Avec des cheveux en pic. Bah, c'est comme Benjamin Rebecca, c'est le même. Pas en live, on a dit. Ça, par contre, ça, mon nom de famille, c'est toujours au blocus, hein, non, en public. Ouais. En République tchèque ou en public slovaque? Non, en blocus, dans en public. T'es moins de plein de rien. Ouais, je trouve que c'est. Non, je trouve que c'est un bon prénom. Oui, mais tu le dis pas, c'est tout. C'est Frédéric. En public, tu le dis pas. Frédéric, va pouvoir. C'est oh, mais Frédéric, il est là, il veut vous voir. Quand tu parles de Cédric, c'est pareil. Non, mais vous connaissez pas le Cédric. J'imagine que Cédric soit un jour que tu parles de lui dans ce film-là. C'est horrible. Et il va dire en commentaire, « Oh, demain, c'est de comprendre. » Je suis sûr que dans le Nokia, ils parlent tous comme ça, comme lui. Le
Black. Le Black, il prend la. Enfin, Itachi, il prend la meuf du Black et il dit on va voir un truc coréen. En low rider, là, tu vois. Et il fait aller son doigt en même temps que les roues du low rider. Oh, tout le monde, tu connes. C'est pas avec ses doigts, c'est comme ça. Le pire, c'est qu'il y a pas qui l'a vu ce passage là. De quoi? Et il se autant pis c'est pour moi si c'est énervé l'autre. Pardon. Ah, je rigole, je rigole. Non, ouais, je... Pardon. Non mais il avait vraiment un moment de solitude le pauvre, je le plaignais quand même. Il avait vraiment un moment de solitude dont il était un peu fou quoi. Là on a eu un moment. On a vu ce qui se passe en 9-4. On l'a vu là-bas aux lèvres. Il s'est levé d'un coup. Il a fait peur parce qu'il a sorti pour américain hein. Il a fait comme ça. C'est là qu'il a fait. Tout le monde est tout de suite. Et là, on était là. Là, Wikwen, on s'est posé la question. Est-ce qu'on le fait ou pas? Wen, il m'a dit fais gaffe parce qu'il va, il va sortir un flingue. Je veux pas qu'il me tire dessus. Il est tellement sur son ordinateur. On sentait que les Blacks, ils étaient cachés dans le noir, ils allaient sortir à tout moment. J'ai supprimé la vidéo, puis le lendemain, il me sort un truc. Ah, mais t'aurais dû la garder, toi, on aurait montré ça à Death. Attends, mais t'avais filmé le moment où il avait dit enlevez-moi cette connerie là. Ah, ouais, il y a le passage. Putain, mais t'es con d'avoir supprimé. Je comprends pas le Itachi. Je ne comprends pas le Itachi. J'ai du mal avec ça. Bah le truc qu'il y a c'est que, bon il m'a appris mais il est énervé tu vois, quand il m'a dit ça. C'est moi ou elle joue à Tetris sur NES. Lol. Et il m'a demandé à ce moment là oui de pas le montrer à toi ni aux autres tu vois, donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai écouté parce que c'est quelque chose, il était énervé, je voulais pas qu'il se vexe toi tu vois. Mais demande à Wayne comment il était. On l'a jamais vu dans cet état. Ouais, mais en fait, il y avait un mélange de fatigue et de colère. Un peu comme ça. Après, on lui disait, bon, mais excuse-nous, il fait, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'est ça, non, mais dormez pas, hein. Mon dieu. Et t'arrêtes tout de suite, hein, Fab. C'était horrible. Non, ça non, je pas. Et à un moment, justement, quand j'ai vu ses petits yeux. Mi énervé quoi. Miyamoto. Miverse. Et j'ai dit regarde, c'est le livre. On s'est regardé avec Wayne, on s'est dit non, on peut pas lui faire ça. C'est un pauvre petit garçon. C'est un moment où on lui a fait croire qu'il me l'avait passé la vidéo. Sérieux? Je m'en souviens pas de ça. Si, juste avant la fin, t'avais dit oh, bah, tu me l'envoies et tout, et ça l'avait énervé ça aussi. Taché? Ouais, je m'en souviens. Oui, un peu fatigué, j'ai tout, hein. Merde. Mais et j'étais pas énervé, tu venais de me réveiller. Ouais, mais bon, ça donnait l'impression, je crois. Ah oui, bah. Un petit peu énervé. Bah... T'étais énervé. C'est pour ça que je dis que t'avais ça faisait mélange un peu transformation et de fatigue. Mais oui, c'était le temps que j'ai dit à Fabien parce qu'il n'a pas tout dit, Fabien. Hadès, mon petit bel. J'adore. Il avait dit que si après une bonne nuit et du repos, je me suis dit peut-être pas la mettre en public, mais la passer à Hadès pour qu'il se marre. Lion. On aurait passé au pote, non, on l'aurait pas en public. Attends, déjà, je sais que tu veux pas te montrer ton image et tout. Ni mon nom de famille. Ton nom de famille, c'est quand même quelque chose de particulier. Oui, oui, oui. Mais moi bien, ça fait comme le vidéo quand on le montre au fond du bar. Ah, si, ouais, sinon, Hadès. Oui. Très, très rapidement, dans ta vidéo unboxing, on voit ton visage. Oui, oui, oui. Je l'ai dit avant toi. Est-ce que ça te gêne? Non. C'est rapide. C'est très rapide. C'est rapide. Mais bon, si t'arrives à faire pause pile au bon moment. Enfin, Wen, moi. Ça sent le moment où on l'a fait, hein. Wen.
Et attends, on voit une, on voit une partie ou... Non, une partie, on voit le haut. Ouais, mais on voit où en fait, je comprends pas. On voit dans le CD. Dans le reflet du CD en fait. Ah lol. Ah je m'en doutais. Putain de CD, j'aurais dû le détruire, j'aurais dû le brûler, j'aurais dû le jeter. On voit tes cheveux, ton front et ta tête. Ah, et encore, j'ai envie de dire, bon, et tes yeux. Bien ma tête ronde, MDR. Non, mais je pense que ça passait. Hadès, j'ai déjà vu la tête d'Hadès. Hadès, je pense que ça passait. Moi, j'ai jamais vu la tronche d'Hadès, c'est pour ça que j'ai fait pause. Mais ça va, t'as fait la vidéo, t'es content. Moi, le Hadès, il est très mignon. Parce que moi, sur YouTube, on peut trouver ma gueule. N'est-ce pas les aventures pixels? Ouais, voilà. Les aventuriers. Les aventuriers, voilà. Faudra le voir. Ah, je me disais bien, c'est le mec de droite. Ah ouais, c'est celui que je dois frapper. Oh, non, j'ai... Oui, ouais, enfin... Non, je rigole. Tu peux essayer, hein. Attends, je vais la retrouver, je peux la passer. Kavouane, il a vu ma tête aussi, hein. Oui, bah oui. Oh, senpai. Non, regarde. En vrai, il est beau, le mec. C'est juste que moi, je suis le mec super timide. T'inquiète pas, Wen, on est tous timides, nous, hein. 121 beau! Putain, ça monte! J'en ai 144. J'en ai 118. Et je te rattrape, Hades. Je te rattrape, Wen. Non, il me rattrape, non! Non, mais moi, tant que les gens ils me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, je suis content. Continue! C'est le mot des remerciements. En plus, je veux pas dire, hein, j'ai 121 abo, hein, mais si c'est pour faire 20 vues au bout d'une semaine. MDR, lol, XPTD. Moi, des fois, je fais 9 vues sur des vidéos et aucun commentaire. Notamment sur Golden Sun. C'est YouTube, faut pas chercher à quoi. Ouais, oui, je cherche pas. Moi, je rage pas, je fais plus de vues que PewDiePie. Non, je galère. PewDiePie. Le mec, je pense qu'il fait 2 500 000 vues sur une vidéo en un jour, lui. PewDiePie, quelle horreur depuis qu'il a... C'est pas 48 millions qu'il a ? Dégueulasse. Il est devenu dégueulasse. Avant, c'était... comment il s'appelle encore ? Je sais que... Merde, maintenant il a 10 millions d'abonnés. Depuis, il a invité plein de gens sur sa chaîne et c'est celle d'Awa, quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Ray William Johnson, voilà. C'est la dette. Avant, c'était lui qui était tout haut sur YouTube, mais puis il a invité des gens et maintenant c'est 200 000 vues par vidéo. Ça change. Il était à combien avant ? Ouais, c'était le pilier, hein. 5 millions. Bien, voilà, Itachi, si tu veux voir. Oui, parce que le live il donne encore chez moi alors. Si tu veux voir un Wendy bon, sombrer avec c'est, des. C'est bien de passer des séquences de l'anime, mais bon, si elles sont vite soit 10. Si tu veux voir un Wendy sombrer avec des lunettes de soleil. Ah, des lunettes de soleil, c'est pas grave. Oh, pour Zay, Nego. Ah bah non. Parce que logiquement, c'est pour éviter de faire voir mon visage. Mais t'en t'inquiète pas. Moi, je monte pas ma tête alors. Un jour tu le feras Benzou et tout le monde sera content de l'avoir. Et Fabien il avait fait un live Minecraft anniversaire en montrant sa tête. Salut Lord. Salut Lord Snipe. Enfin, salut Lord. Oh my Lord. Salut Lord. Ah Lord Snipe c'est un poteau au Sky 10. Ah c'est cool ça. Mais t'as pas des lunes de soleil? Ah si. T'es sur la chemise. Où t'es sur la chemise? La classe. Mais il est beau le... T'imagines pas comme ça mais t'es beau. Moi je vous dis. Oh mon dieu. Pardon. Et ben moi je vous dis une chose. T'imagines comme Hades. Attendez. Tais-toi les idols. Mais ta gueule toi. Putain, ça y est, j'ai une fangirl. Lol. Senpai. Pardon. Itachi, il dit rien en plus. C'est quoi? Non mais. Il chie pas dans son pantalon. Moi je vous dis. C'est un vrai Auvergnat. Ah bah oui. L'Auvergne, on t'en fout, c'est des connards. Ta gueule, toi. Oh, ça va, t'es bien, enfin, j'ai envie de dire. Oh, vous avez pas de mauvais profil ni quoi que ce soit. Mais je suis sûr qu'avant le tournage de cette vidéo, ça a dû être un peu le stress, non? Non, pas tant que ça, parce que on avait déjà tourné une vidéo comme ça où on s'était présenté en face caméra. Ah, d'accord. Et là, vu qu'on voulait le faire tous en groupe et pas un par un. Bah, ça passe mieux pour le coup. Comme ça. Les séquences animes sont tellement bien retranscrites sur MG. Quand je verrai Hades en IRL, on fera une vidéo et on montrera nos têtes lui et moi. Ouais. Oh putain. Oh non, de là, j'ai remporté. Eh, vous l'avez noté, hein. Et ça, c'est de la GBA. Ouais.
En plus, tu veux savoir un truc? Tu veux savoir un truc? Il y a pas mal de phrases qui se sont doublées. Wow, quand c'est mis en rouge, c'est que c'est doublé. C'est impressionnant. Ouais. Par contre, Wayne, au niveau ta voix, ne correspond pas à comment tu es. Ah ouais? Ouais, je trouve, ouais. Oh mon pauvre. Mais ça, c'est souvent, ça arrive souvent, tu vois. Tu te fais une idée du youtubeur et quand tu le vois. Moi, ça m'était arrivé avec Léo Zangdar. Tu sais, tu l'entends, il a une voix assez rock, tu vois, Léo Zangdar, assez, assez grave, tu vois. Et quand tu vois ce que c'est, un nain, un petit nain, un petit nain. Merci l'oxymore. Hein. Le Ouzangdar, c'est Gimli, non? Pardon. Une mine. Ah oui, la relationship, voilà, le social link. Bonjour. Bon, on fait encore un clin. Tu fais fuck you. Ah ouais, tu trouves que j'ai pas la voix qui correspond à. C'était comme moi, c'est marrant. On trouve que j'ai une voix trop grave pour ce que je ressemble. Ah non, pas du tout. Si. El Cantalou, il me dit que j'ai pas une bonne voix. El Cantalou, c'est un égo. Non, ça va, c'est cool ça. Non, je. T'as une voix posée, t'as une voix bien posée, je trouve. Posée, négro. Pas comme ça, tu vois. Je t'imaginais pas comme ça. Mais moi non plus. Comme quoi, les voix. Oh. Comment dire ça, ça correspond pas forcément à ce. Est-ce qu'elle a tenu bikini? Je veux. Non, Mais Léo Zangdar, je sais pas si toi tu vois Wayne. Je sais pas si tu vois Wayne, mais moi Léo Zangdar, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait mais. Ouais, tu le voyais vraiment pas comme ça. Moi, avec la voix surtout grave qu'il avait, tu sais, tu t'as l'impression que tu. Moi, je vous disais, je vois c'est quelqu'un de. Oh, il ressemble à Gilles Owen, lui. Non, Je pensais pas que c'était. La première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne de True M5. Ils étaient passés avec Stefano. True M5, c'est deux youtubeurs, mais maintenant, au départ, ils étaient en duo. Ils ont fait du Pokémon, ils ont fait du Minecraft, enfin tout comme ça. Minecraft. Et le truc qu'il y a, c'est qu'après, pendant un certain temps, ils se sont séparés. Ils se sont séparés et tu vois, M5 a plus d'abonnés et fait plus de vues que True, quoi. True, il est resté à 2000 abonnés. True, c'est la vérité, si. Aïe, aïe, aïe. True. Is the true. Le mec, True, il est resté à 2000 abonnés, quoi, alors que l'autre, il a 20 000 abonnés, quoi. Ah ouais. Et c'est des gars qui... Ouais, c'est passé très bien, ouais. Et c'est des gars qui ont. Moi, je sais que je les avais vus. Ils ont été à la Japan Expo. Alors, Stefano, oui, je m'étais fait à peu près il ressemble un peu à ça. Mais à l'époque, il s'était déjà montré. Il avait fait une sorte de pseudo-interview avec un de ses potes. Avec un de ses potes, il avait fait un pseudo-interview, mais il était super timide, tu vois. Il était vachement timide. Gilles Owen. Et. Et justement, et à un moment, ils ont été tous les deux, ils ont été tous à la Japan Expo. Ils ont été à la Japan Expo tous les deux, et voilà. Ils ont été à la Japan Expo, et on les a vus pour. Enfin, True M5, on les a vus première fois en vrai, mais c'était des gamins, quoi. Oh, oui. Tu te rendais compte que c'était quand même des petits, quoi. Ah ouais, des petits. Et là, c'est la première fois que j'ai vu. Comment il s'appelle Arrête Stefano. Je suivais pas que Stefano à l'époque, hein. Ta gueule, on le sait, J'ai vu Léo Zangdar, je fais putain, mais. T'es sérieux? C'est lui, Léo Zangdar? C'est ça, Léo Zangdar? C'est quoi? Putain, il a des yeux. Non, mais le pire, c'est que. Putain, il a des yeux. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu Léo Zangdar, il a une voix assez grave, assez basse. Ouais, oui, il a une voix assez grave, assez basse, et au final. Tu entends, enfin, tu vois que c'est un petit nain. Bah ouais. C'est Gilles Loewe avec une pharyngite. Non mais, ça redescend, et là tu fais... Putain, c'est lui là, le mec que je suis, que je trouve énorme, parce que sur Zelda Ocarina of Time, on dirait un enfant. On dirait un enfant. C'est ça, ils avaient quel âge à l'époque? Attends, ils avaient quel âge? Ils avaient 16-17 ans à l'époque, hein. Ils avaient 16-17 ans à l'époque, hein. Stefano faisait plus mature, plus, tu vois, plus gaillard, tu vois. Ouais, tu vois. Non, mais c'est sérieusement, c'est vrai. Je trouve que maintenant, Stefano, il fait plus jeune que l'âge qu'il devrait avoir. Ouais, il fait gamin prépubère. Non, 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 non
Je trouve qu'il fait plus jeune que l'âge qu'il a. Ouais, il a quel âge encore, lui? Mais moi, j'ai pas été quelques années, 23 ans, je crois. Ouais, je crois, on a... Je crois que j'ai... Bonjour, je m'appelle Timmy, je vais diviser sur Minecraft. Lord et des Frodons. Bah, personnellement, si Fano, moi je trouve, je le dis, je le respecte, je vais peut-être le défendre, j'étais très chiant avec ça, mais... T'es chiant de base. Depuis qu'il est avec sa copine... Il a quand même pas mal changé, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, on peut pas lui reprocher. Avant, il était peut-être un peu comme ça. Enfin... Il a sauté sur beaucoup de jupes pour trouver une copine, de toute façon. Ouais, mais est-ce que c'est. Ouais, je vois de quoi tu fais référence, mais est-ce que c'est vrai? Selon beaucoup de témoignages, beaucoup, énormément. J'en ai entendu parler beaucoup de. Et de ses proches, hein. Donc. Voilà. C'est bien, enfin, t'en as beaucoup qui disent oui, même de ses proches qui le connaissent, tout ça, qui ont balancé, donc, et tout le monde est sur la même version des faits. Des frais, oui, des frais. Et donc, ce serait dur de dire non, hein, je pense. Ah, d'accord, ouais, après, bon, ça, c'est les erreurs du passé, j'ai envie de dire. Voilà, il a été comme ça, bah oui, il a été comme ça. Ces erreurs du passé, bah oui, Hitler, il a fait le mal dans le passé, maintenant, il faut lui pardonner. Non, mais non. Mais les gars, ça allait loin, quand même. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... On fait tous des erreurs, j'ai envie de dire, il en a fait. Mais non, regarde-le, il aspire quand même à avoir une vie de famille, à être tranquille avec sa copine. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, il vit de sa passion en termes de YouTube. Bah oui. D'accord, mais voilà, c'est pas non plus le mauvais gars, j'ai envie de dire. Personnellement, moi, je le vois plus comme le mauvais gars à aligner, tu vois. Oui. Par contre, tout le monde s'est évolué, de toute façon. C'est pas méchant, mais quand tu vois ceux qui lui crachent à la gueule et que tu vois que maintenant ils font quasiment plus de vidéos, hein, que tu les entends plus parler, excuse-moi de te dire ça. C'est qui a gagné? C'est qui continue? Et c'est les cracheurs de gueule? Non, mais sérieusement, c'est les cracheurs de gueule? C'est les mecs qui sont là, et Stefano, c'était un. Calme-toi, Fabien. Non, mais bon, je me calme, tais-toi, toi. Je me calme, tais-toi, toi. Ouais, parce que t'es je Fabien. Pense que Fab, en fait, il aime pas trop quand. Alors, c'est pas quand ça. Les gens racontent des histoires sur des personnes sans les connaître. Ouais, alors, personnellement, le problème sur YouTube, c'est que j'ai. Change de jeu.